scène, la scène du septième son, alors que rien d'autre n'est révélé. N'est révélé là, rien. Ce n'est pas révélé dans le septième son. Oh, ça, ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. La révélation du septième son n'émet absolument aucun son, n'est-ce pas? Et si seulement j'avais le temps, je vais prendre quelques passages pour essayer de vous montrer. Jésus, quand il a parlé aux 10 lépreux, il n'avait rien dit par rapport à ce qu'il devait retourner vers lui. Il n'avait rien dit, n'est-ce pas? C'était le septième son. Le silence. Mais le monsieur là, dans son cœur, il a senti que je dois être reconnaissant. Et retourner vers ce monsieur. Parce qu'il m'a dit d'aller vers le sacrificateur. Avant même d'arriver là-bas, je suis déjà guéri. Qui m'a guéri? C'est le sacrificateur. Ou bien c'est Jésus. Faire parler de la guérison divine, ça appartient à tout le monde. Même ces petits là que vous voyez, David, où est David? Voilà. Ça c'est qui? Joseph. Joseph, ça va? Ah, très bien. Même David peut prier pour vous, vous savez. Amen. Si tu es malade, appelle. Moi ce que je fais parfois, quand je ne me sens pas bien, j'appelle ma fille. Moi, je prie pour moi, je ne me sens pas bien. Elle m'impose les mains. Elle prie pour moi et je me rétablis. Amen. La guérison divine, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Si vous voulez la guérison divine, allez chez les Pentecôtistes. Il y en a un gogo. Il y a un monsieur qui s'appelle Christ. Christ. C'est un Nigérien. Frère. Il fait des miracles en cascade. Il y a des gens qui voyagent de partout, ils vont là-bas. Il fait des miracles en cascade. Mais la chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'ouverture de la parole. Parce que la commission n'a été donnée qu'à Malachie 4. Dieu ne fait rien sans pouvoir révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Attention aux théologiens. Un théologien peut manipuler les écritures, mais il n'a pas l'esprit. S'il contourne Malachie 4, il est en enfer. Amen. La seule personne qui a reçu la commission de vous amener vers Dieu, c'est Eliezer. Amen. Vous ne pouvez pas arriver vers Isaac si ce n'est pas Eliezer qui vous présente. Amen. Parce que c'est Eliezer qui avait le mystère du silence. Amen. C'est lui qui connaissait le langage du silence. Amen. Qui a placé ça dans l'épouse et l'épouse a répondu à l'appel. Amen. Amen. Septième son, nous continuons. Il faut déjà commencer à clôturer parce qu'il est 20h. On finit à quelle heure? 20h quelque chose. Oh my. Là, je vais aller vite alors. Donc, Jésus-Christ lui-même a parlé du temps de la fin. Et quand il est arrivé, il a parlé de tous les 6 sceaux. Quand il en est arrivé au 7e, écoutez, il s'est arrêté. Voilà, voyez, c'est quelque chose de très important. Vous étant les enfants de Dieu, vous devez connaître c'est quoi le 7e sceau. C'est quoi le langage du silence? Pourquoi est-ce que Dieu a parlé dans le silence? Le silence ne veut pas dire que je n'ai rien dit. Je peux me taire, mais je suis en train de dire quelque chose. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Dieu, il est dans le silence. Une fois, Élie était quelque part là-bas. Il était en train de chercher Dieu. La Bible dit, il y avait des tonnerres. Dieu n'était pas là. Il y avait des bruits. Dieu n'était pas là. Mais Dieu était dans une petite voix. Amen. Dans le silence. Une fois, j'étais parti dans la forêt pour aller prier. J'avais le désir, je sentais le désir d'aller prier dans la brousse. Je suis parti là-bas. Dans l'expectative, je me disais, Seigneur, je vais vraiment te voir. Je vais palper la réalité. Viens, visite-moi. Je suis prêt à te rencontrer. Parce qu'on doit sortir de l'ordinaire, frère. Cherchez quelque chose de réel. Ne soyez pas membre d'église. Cherchez toujours, parce que la véritable vie chrétienne, c'est lorsque tu es seul avec Dieu. Amen. Je voulais rencontrer ce Dieu. J'ai dit, Seigneur, le frère Branham m'a toujours dit qu'il t'a rencontré dans les bois. Il m'a toujours dit une fois qu'il ne savait pas comment te parler. Il a écrit une lettre. Il a mis sur. Il a collé ça sur un arbre. Et tu avais répondu à sa prière. Seigneur, moi aussi, je veux cette expérience encore. Je suis parti là-bas, j'ai prié, rien. Je suis resté, Seigneur, je commence à partir chez moi à la maison. Mais viens. Je veux te voir, Seigneur, s'il te plaît, cher Seigneur, fais-le pour moi. Tu nous as parlé de Branham, tout ça. Alors, rien ne s'est passé. Bon, un peu triste, hein? J'ai pris mes histoires, je suis entré dans la voiture, je suis reparti chez moi à la maison. Et le lendemain, je suis parti au travail, ma femme m'appelle. Ma femme me dit, toi, tu t'inquiétais parce que Dieu n'était pas venu. Il dit, Dieu était avec toi.
Moi, je dis comment? Il dit, j'étais en train de suivre le frère Branham. Il dit, parfois, les gens cherchent Dieu. Amen. Avec des choses terribles, Amen. Avec des choses qui ne font pas l'air. Il dit, quand vous êtes quelque part, il dit, c'est le vent là qui souffle. Amen. Il dit, le bruit de ces eaux-là, c'est Dieu qui est là avec toi. J'ai dit, gloire à Dieu. Seigneur, tu étais là avec moi, mais je ne t'ai pas rendu compte. Frère, Dieu est dans la simplicité. Amen. Pourquoi est-ce que cette chose échappe aux gens? Parce que c'est tellement simple. Amen. Les gens ont pensé que Dieu était quelque chose de frappe à l'œil. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. C'est dans la simplicité, mes frères. Nous continuons avec le septième psaume. Il dit, et vous souvenez du troisième poule. Il a dit, n'a parlé à personne. Qu'est-ce que j'en avais dit? Combien s'en souviennent? Bien sûr, vous vous souvenez, j'étais là, à essayer de passer les lacets dans les sept petites chaussures. Vous connaissez l'histoire? Amen. Il prenait ces lacets-là, essayait de les faire passer sur les chaussures des bébés. Alors là, j'ai venu pour lui dire, je vais sauter ça pour gagner le temps. Là, j'ai venu lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ça n'entrera pas. Tu ne peux pas prendre ces choses de nos bébés pentecôtistes. Bébés pentecôtistes, ce ne sont pas les gens qui sont dans la dénomination. Là-bas, les gens sont dans la dénomination. Mais dans les messages, les gens ont la dénomination. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Là-bas, les gens sont dans la dénomination. Mais dans les messages, les gens ont la dénomination. Parce qu'ils sont sortis de l'eau, mais avec de l'eau dénominationnelle dans leur main. Ils ne changent pas leur conception par rapport aux choses de Dieu. Ils pensent que l'enlèvement, c'est ce que les pentecôtistes pensent. Comment est-ce que vous pouvez avoir la même pensée de l'enlèvement que les pentecôtistes? Non. Sinon, Dieu n'envoyera pas un prophète. Amen. Il va perdre son temps. Frère Branham dit dans la brochure d'enlèvement, il dit, voici ce que je vous dis. Il dit, pour moi, cet enlèvement n'est qu'une révélation. Amen. Il dit pour la dame élue. Amen. Cet enlèvement, si vous êtes la dame élue, vous prenez l'enlèvement de la dame élue. Amen. Là-bas, le frère Branham dit aussi que nous allons disparaître. Hein. Les gens vont s'envoler. Amen. Et après, il dit encore, je ne pense pas qu'un être surnaturel vivant dans une maison littérale. Amen. Il dit, quand Jésus-Christ avait dit ça, je crois qu'il parlait de corps. Le corps en question, c'était de théophanie. Amen. 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 C'est là-bas que vous allez. Si c'est en train de détruire, il y a déjà une autre qui vous attend. Amen. Et la mort nous dit, amènera. Amen. Amen. C'est la parole, mes frères. Amen. Je continue. Je vais arriver quelque part. Mais ici, il y a sept tonnerres. Coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le nombre parfait. Sept tonnerres se sont fait entendre. L'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coup sur coup, Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. C'est aussi le message. Amen. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Ah, les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est. Ni rien d'autre. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Oh là là. Ni les anges, ni moi. Ce n'est que le Père. Est-ce que Jésus-Christ était en train de mentir? Les témoins, je vais vous dire, vous dites que Jésus-Christ lui-même ne connaissait pas les jours de son retour. Si vous dites qu'il est Dieu, comment est-ce qu'il ne connaissait pas? Il ne savait pas que Jésus-Christ, parfois c'est lui qui parlait, parfois c'est Dieu qui parle. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Oh, pourquoi? Le frère Branham dit, oh, pourquoi? Écoutez, pourquoi est-ce que ça n'a pas été révélé? Amen. Parce que dans les prochains, ça ne changera pas. Il dit ceci, il dit, pourquoi? Oh, pourquoi? Il dit, si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Amen. Il allait imiter ça. Il dit, voilà une chose qu'il ne sait pas. Ça trouble Satan. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui a troublé Satan, que c'est cet psaume. Amen. Que le langage du silence. Amen. Ce n'est pas une démonstration en public. Si aujourd'hui tout le monde pouvait avoir la capacité de comprendre ces choses, cette place serait remplie. Si les gens ne viennent pas ici, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. C'est là que vous a été donné à vous de saisir le mystère du royaume. Le royaume ne vient pas d'une manière à frapper les regards. C'est comme ça. Frère, vous êtes dans le millénaire? Nous sommes encore ici. Oui, monsieur. Frère Branham dit, ce millénium viendra après les bombes. Amen. Et pourtant, dans les plans de Daniel, le millénium vient avant les bombes. Amen. Il y a un millénium avant les bombes, un millénium après les bombes. Amen. C'est là que vous remettez
l'homme physique. Il y a, vous savez qu'il y a deux commencements et deux fins. Amen. Le premier commencement, c'est au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'était le commencement. Mais dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deux commencements et deux fins. Amen. La première fin, l'ange puissant qui descend, il n'y aurait plus de temps. Amen. Enfin, madame dit, le septième saut, c'est la fin de toutes choses. Amen. Et mais pourtant, nous attendons encore le feu de Menaché 4 descendre et brûler la terre. Amen. Parce qu'il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Amen. C'est ça, Menaché 4, mes bien-aimés. Nous continuons, il dit, bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter les gens de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. N'est-ce pas? Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Amen. Amen. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. Même la divinité est dans le septième sceau. Mmh. Beaucoup de gens aujourd'hui, les messages, ils sont dans l'unitarisme. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère du septième sceau. Mmh. On parlait avec des témoins de Jéhovah aujourd'hui. Ils sont en train de voir trois dieux, mais ils disent qu'ils ne sont pas des trinitaires. Méli-mélo. C'est du méli-mélo. Comment? Il pense que nous sommes les trinitaires. Moi, je dis non, c'est un Dieu dans les trois dispensations. Mmh. Je continue, il dit, mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Mmh. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le troisième poule. Il ne sait absolument rien là-dessus. Voyez, il ne le comprend pas. Je continue, toujours dans le septième son. On prend, voilà, 256. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. C'est quoi ça? Le jour de ton avènement. N'est-ce pas? La question lui a été posée. N'est-ce pas, frère David? Le jour de ton avènement. Quand sera le jour de ton avènement? Là, le frère Branham dit, c'est la chose que Jésus-Christ n'avait pas dit. Frère Branham dit, voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Paragraphe 73, 73. C'est glorieux le mystère de Dieu. Il dit, c'est un secret. Il a gardé secret. Personne n'a jamais rien su à son sujet. Les anges eux-mêmes ne l'ont pas compris. Frère Branham dit, il ne l'a pas révélé. Yoga. C'est la raison pour laquelle, lors de ce septième mystère, quand le septième sceau fut ouvert, il y a eu un silence. Nous continuons. Toujours Christ, le mystère lui révélé. 74. Lorsque Jésus était sur la terre, il voulut connaître le jour de son avènement. Ah, il est en train de nous faire découvrir ça. Il leur répondit, même le Fils ne sait quand cela arrivera. Vous voyez, Dieu a gardé cela pour lui seul, c'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y eut un silence d'environ une demi-heure. S'étonné fut entendre leur voix, mais Jean n'eut pas la permission d'écrire ce qui concernait la venue du Seigneur. N'est-ce pas? Nous allons voir ça. Il continue, il dit, cela, il ne l'a pas encore révélé. Il n'a pas révélé comment il viendrait, ni quand il viendrait. Écoutez maintenant. Et il a très bien fait ainsi. Non. N'est-ce pas? Il a montré ou révélé dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Amen. Le type d'Isaac, le type de Naomi. Vous ne pouvez pas rencontrer, n'est-ce pas? L'épouse ne pouvait pas rencontrer Isaac, je dis quoi? Naomi. Ruth ne pouvait pas rencontrer Boaz sans d'abord racheter Naomi. Amen. Le rachat de l'épouse est fait par rapport à Naomi. Amen. Ruth n'avait rien à voir avec Boaz. La seule façon pour Boaz de prendre Ruth en mariage, c'était d'abord de racheter Naomi. C'était conditionnel. Amen. Parce que Naomi, Ruth était incluse dans l'héritage de Naomi. Amen. Parce que Ruth était devenue, n'est-ce pas, une partie de Naomi par le lien du mariage. Amen. Alors, Boaz était obligé. Boaz était tombé amoureux de Ruth. Mais pour avoir Ruth,
il doit, il était dans l'obligation de racheter d'abord Naomi. Amen. Alors l'épouse de gentil est déjà rachetée, vous dites que vous attendez 144 000. Hein? Frère Branham dit, il a monté dans chaque type de la Bible. Amen. Si vous voyez que la rédemption, Frère Branham dit, la rédemption a déjà pris fin. Amen. Il dit, quand il quitte le trône, ça veut dire que l'œuvre de la rédemption a pris fin. Je souhaite de le clôturer. Accordez-moi juste quelques 5 minutes. Regardez, je vais encore dire une chose. Soyez attentifs. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ceci. Il dit, c'est vraiment saisissant du message du septième ange. Le messager du septième, hein? Ah. Le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. Mais le septième ange, il est aussi le messager du septième sceau. Je vous avais montré un tableau ici dernièrement. Comment est-ce que le frère Branham a chevauché le ministère? N'est-ce pas? Il a été le messager, il a été le Saint-Esprit, il a été aussi dans la pierre métière. Les mêmes frères Branham. Nous continuons, il dit, dans Apocalypse 10, ce qui était quoi? Le septième sceau. Maintenant, Apocalypse 10, c'est le septième sceau, non? Cela est accompli, oui ou non? Nous allons voir ça dans les Écritures. Moi, je ne parle pas. Jusqu'au sept trompettes, entre ces deux moments-là, oh Dieu, comment le dire pour que les gens le voient? Amen. La fin des trompettes, regardez. Je vais dire encore une chose. Soyez attentifs. Attentifs là. Ne manquez pas ici. Ça, j'ai déjà lu ça. Je l'ai répété deux fois. Quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit, cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continu. Depuis l'avènement, depuis l'événement lui-même, n'est-ce pas? Jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là. Oh! Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont 107, le montant du soleil couchant. Amen. Et la lumière du coucher du soleil, la lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les fêtes sont là, Dieu écrit son temps. Blanche, combien ont vu ça? La perruque blanche qu'il portait, c'est donc nous avons parlé dans Apocalypse 1. Voyez-vous la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Le frère Branham ajoute Amen. Amen. N'est-ce pas? Ça, c'est le même passage qui se répète. Jésus qui se tient là à nous regarder est maintenant précisément sur le mont 107. Jésus sur le mont du soleil couchant, il est apparu comment? Il est là. Amen. 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 Le frère Branham dit, c'est le sept tonnerres. Le sept tonnerres, c'est la venue du Seigneur. Le sept tonnerres, c'est le septième sceau. Le sept tonnerres, c'est le troisième pôle. Le sept tonnerres, c'est quoi? C'est simplement la voix de Dieu. Amen. Quand il parlait pour révéler les sceaux, il a parlé avec le frère Branham. Le frère Branham a pris ça, il nous a montré ça. Ça, c'est le frère Branham qui est en train de parler. Pour clôturer, je prends ça 48. Qu'est-il arrivé sur le mont 107? Le frère Branham m'explique. Dieu qui confirme sa parole, c'est la raison de tous ces bruits. Ah, le tonnerre. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Apocalypse 10, 1 à 7, c'est quoi? C'est le septième sceau. Donc le septième sceau, c'était un silence, mais c'est maintenant révélé. Amen. Là, le frère Branham, il est en train de dire ça dans la prédication qu'il a ses attractions sur la montagne de 1965. Et pourtant, en 64, il a dit le septième sceau n'est pas encore révélé, c'est la venue du Seigneur. Et nous voyons aussi le septième sceau, c'est Apocalypse 10, 1 à 7. N'est-ce pas? Il dit, il l'a montré dans tous les types de la Bible. Il dit, et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Ce qui est accompli exactement en cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Bon, ça, je vais sauter. Je vais prendre cette dernière citation. Je prends cette dernière citation. Il dit 397. Il dit, bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des six sceaux qui avaient été scellés. Et nous comprenons et nous savons là que le septième sceau
ne doit pas être porté à la connaissance du public. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un langage du silence. Amen. Dieu vous parle dans le silence, dans votre cœur. Il voulait, la chose qu'il voulait, il a envoyé les sept messagers afin d'entrer dans votre cœur. Quand il entre là, c'est là qu'il vous révèle ce qui était dans sa pensée. Et cela est écrit entre les lignes. C'est simplement pour les élus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Yes, all of our questions.